Bonjour, donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter le livre Tavrier de Joanne Richoux, paru le 5 mai 2021 aux éditions Actes Sud Junior. Il est du genre dramatique et il fait 46 pages. Je présente ce livre dans le cadre du Safari Lecture avec le lycée Saint-Ambroise. L'autrice, Joanne Richoux, est une autrice contemporaine. Elle publie son premier roman en 2012. Elle est née le 17 novembre 1990 et elle a fait des études en psychologie jusqu'à obtenir une licence. Elle décide ensuite de se consacrer à l'écriture. Donc pour vous résumer cette histoire, son père voulait l'appeler Daniel, mais sa mère, elle, voulait qu'il s'appelle Raphaël, Danaël, et c'est son histoire. Il a 17 ans et il est fou amoureux de Florine. Elle est gothique, mais il l'aime, son premier amour. Il est fou d'elle, et depuis qu'elle lui a prêté son écouteur lorsqu'ils se sont retrouvés tous les deux, son cœur a chaviré pour elle. Ce qu'il, au fur et à mesure des jours, pensait réciproque est en réalité à sens unique, mais Florine obsède Danaël. Pourtant Florine, elle, l'utilise simplement. Un premier amour qui n'est ressenti que par un seul cœur. Pourtant, il fait tout pour être le garçon parfait avec celle qu'il aime. Florine, elle, s'en va après que Danaël lui a acheté 30 € de tout ce qu'elle aime. Cet amour passionné et obsessionnel que Danaël éprouve pour Florine va finir par le faire vriller. J'espère que ce résumé vous a donné envie de lire ce livre. Personnellement, j'ai trouvé qu'on rentrait rapidement dans l'histoire. Le livre est intéressant puisqu'on est du point de vue d'un garçon. Et on a beaucoup de précisions sur ce qu'il ressent pour cette Florine. Donc j'ai bien aimé le lire et puis il est rapide à lire, donc j'ai trouvé ça bien.